Bonsoir à tous, merci d'être présents ce soir pour ce stream d'actualité pendant les vacances parlementaires. Donc je vous expliquerai dans quelques minutes ce qu'est des vacances parlementaires pour vous permettre bien sûr de voir que les députés, même s'ils sont en vacances parlementaires, ça ne veut pas forcément dire qu'ils ne travaillent pas. Donc j'ai regardé là juste avant de lancer le stream, j'ai regardé les votes qui avaient été réalisés, qui avaient été faits, et j'ai vu que justement c'était du League of Legends qui avait été choisi par vous toutes et vous tous. Donc on va faire une petite partie de League of Legends ce soir, et derrière on va échanger sur l'actualité à venir sur ma chaîne Twitch et aussi sur l'actualité d'ailleurs législative. En général. Voilà, donc je vais lancer une partie rapidement. Est-ce que je retrouve le raccourci? Moi, le mot de passe est juste un petit peu long. Hop, c'est lancé. Ce soir, je suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui vienne parce que il y a Gabriel Attal qui lance sa chaîne Twitch, donc c'est possible que malheureusement il draine un peu les gens qui sont intéressés à la politique. Juste rapidement avant de lancer, je sais pas si certains de vous jouent à League of Legends et si certains sont intéressés à faire des parties, voilà, dites-moi-le avant que je lance. Gabriel Attal, c'est maintenant là, ça a commencé à 19h. Mais bon, c'est extrêmement intéressant ce que propose Gabriel, mais c'est encore plus intéressant sur ma chaîne. Donc je vais lancer une première partie. Et on va en profiter donc pour aborder l'actualité. Ouais, et puis il va bientôt finir, je crois, de mémoire, c'est 1 heure. Justement, donc il va finir vers 20h. D'ailleurs, je vais lui envoyer un petit message à Gabriel. Je suis pas sûr qu'il regarde. Mais bon, je vais quand même lui envoyer, sait-on jamais. Moi, je peux pas faire deux choses à la fois, donc j'ai un point, j'écris. Et voilà, hop, c'est parti. Donc, oui, actualité parlementaire. Cette semaine, en fait, on est ce qu'on appelle en vacances parlementaires. Donc ça ne veut pas dire qu'on est. Donc la partie est lancée. Ça ne veut pas dire qu'on fait rien. Ça veut tout simplement dire que. Est-ce que j'ai mon 0. Enfin le 06 de Gabriel Attal. Est-ce que j'ai le 06 du ministre? Oui, en effet, j'ai le 06 de Gabriel Attal. Et j'ai aussi d'autres 06 dans le téléphone. Il faut savoir que Gabriel Attal, avant d'être ministre, était député. Et donc, nous avons siégé ensemble à l'Assemblée nationale et nous avons travaillé ensemble sur de nombreux dossiers. Voilà. Hop.
Je regarde ça. C'est quelqu'un de grande qualité, Gabriel Attal. D'ailleurs, il m'avait beaucoup surpris. Pour la petite histoire, c'est que quand je suis arrivé, moi, dans l'hémicycle, il y a plein de personnes que je ne connaissais pas et qu'il m'a fallu un peu de temps, justement, pour connaître les noms et les prénoms. Et Gabriel Attal, la première fois qu'il m'a vu, savait comment je m'appelais. J'ai trouvé ça assez extraordinaire. Assez extraordinaire, c'est voilà, pour la petite aparté. Ah, faut que je prenne mon personnage quand même, ce serait pas mal. Normalement, je suis au mid, ce qui n'est pas forcément la meilleure des places, mais bon, on va faire avec. Ça, après, moi, j'ai pas eu le temps de regarder en fait le live de Gabriel Attal. Je pense qu'on en reparlera tranquillement après. Je pense qu'on en parlera tranquillement après. Donc la game est partie, je vais la lancer en espérant que ça s'affiche bien. Eh ben, tac. Et voilà, normalement ça doit être bon. Vous me dites si c'est pas bon et je ferai quelques modifications. Voilà, je ferai quelques modifications. Ah, et puis vous me direz aussi si le jeu est trop fort en termes de son. Vous me dites que la caméra est pas forcément bien placée. Alors attendez, Ah, est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que vous préférez? C'est pas mal comme ça. Sauf que je suis déjà en retard là pour ma game. Qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je prends? Ça, c'est pas mal. Et je vais prendre 30 secondes le avant petit pote. l'apparition de Sbire. Ce n'est pas loin, et Le ce son est n'est trop pas fort là une ou ça va? blague. Le son est un peu fort. Non, attendez, je vais me mettre là et je vais aller baisser le son. Comme ça doit être mieux, je pense. Vous me dites. Ah, c'est la caméra. Oui, la caméra va vous prendre la place. Oula, je fais des bêtises. Ta ta tam 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 tam. Je vais tout rater là. Ça rapidos. Ah, j'ai perdu des golds dans l'histoire là. Après, vous allez dire, le député, il est pas bon. Donc, voilà, j'espère que c'est bon. Vous me coupez si c'est pas bon là. Oh, en plus, j'ai quelqu'un que j'aime pas en face de moi, mais on va faire avec. Donc les vacances parlementaires, ça fait 3 fois que j'aborde le sujet, je vais essayer de finir. Donc les vacances parlementaires, ça veut dire qu'en fait l'hémicycle, ça veut dire que l'hémicycle de l'Assemblée nationale est fermé, et donc il n'y a pas de débat au sein même de l'hémicycle. Il n'empêche qu'on continue. Il n'empêche qu'on continue au sein de l'Assemblée nationale à aborder les sujets d'actualité et principalement donc les auditions. Et puis il faut pas se mentir, ça me laisse aussi l'opportunité de passer plus de temps en circonscription, c'est-à-dire à échanger avec les concitoyens. Donc pour rappel, je suis député de la ville de Cholet et aussi des communes qui sont autour, donc c'est environ 100 000 habitants. Voilà, et donc le but c'est d'échanger, aller à la rencontre de ces 100 000 habitants pour écouter éventuellement leurs difficultés et voir comment je peux les accompagner. C'est toujours pas bon le son du jeu? Il me semblait de l'avoir baissé, mais si c'est pas bon, vous me dites. Donc voilà, avant de parler de l'actualité législative, moi je voulais revenir sur un sujet
qui a quand même pas mal fait parler dernièrement, qui est le défi que le président de la République, Emmanuel Macron. Oh là 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 là. Je suis sorti, mais c'est miraculeux. Le défi qu'Emmanuel Macron a apporté à McFly et à Carlito, donc je pense que vous l'avez tous suivi, c'est de rappeler les gestes barrières pendant cette période de pandémie. Je le dis clairement, j'ai été très déçu, voilà, je crois que c'est le terme, par les réactions de certaines personnes sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Déjà, rappelons la demande du président. Le président a demandé à McFly et à Carlito de rappeler les gestes barrières parce que aujourd'hui, nous sommes dans une pandémie mondiale que tout le monde connaît, que nous essayons au quotidien tous collectivement de respecter les gestes barrières afin d'éviter un reconfinement. Je crois que ça, c'est quelque chose qui est très important à savoir. Quel est l'objectif? In fine, c'est d'éviter le reconfinement. Pour éviter ce reconfinement, il a fait appel à McFly et à Carlito pour faire donc une vidéo que si elle était vue par 10 millions de personnes, 10 millions de, si elle avait 10 millions de vues, il allait les inviter donc participer à un concours, à un échange à l'Elysée. Bien entendu, et c'est d'ailleurs de façon très positive, McFly et Carlito ont répondu favorablement à la requête. Mais surtout, et c'est ça que je retiens, ils ont fait la vidéo qui elle-même a eu ses 10 millions de viewers. Hop, on va essayer de le tuer. Et donc ces 10 millions de viewers, ça arrivait donc hier soir. Et donc ben, McFly et Carlito vont pouvoir aller à l'Assemblée nationale. Et j'ai vu par exemple, je suis mort, un tweet de Carlito qui se félicitait de pouvoir aller à l'Elysée. D'ailleurs, j'ai dit quoi tout à l'heure? À l'Elysée, pour pouvoir faire une vidéo avec Emmanuel Macron. Et là, j'ai vu sur les réseaux sociaux vraiment un torrent de haine, un torrent de personnes qui ont réagi de façon assez agressive, en disant que c'était inadmissible que McFly et Carlito aient accepté de réaliser cette vidéo, qu'ils ont accepté quelque part comme s'ils accompagnaient le président pour qu'il soit réélu. Voilà, vraiment des remarques extrêmement néfastes. Et voilà, et moi je trouve ça dérangeant. Je peux comprendre d'ailleurs que certaines personnes ne partagent pas les opinions politiques portées par le président de la République. Je peux également comprendre que certaines personnes ne soient pas forcément pour. Ah, c'est dur de jouer en même temps. Bien fait pour lui. Certaines personnes ne partagent pas, ne sont pas pour ce que porte le président de la République, ne sont pas pour le projet du président de la République, ne sont pas pour que McFly et Carlito réalisent ce type de vidéo. Néanmoins, voilà, j'ai trouvé beaucoup de haine dans les propos. Et d'ailleurs, je suis très embêté, très agacé par cette police des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a une police sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire des personnes qui sont là et qui donnent des bons points ou des mauvais points pour savoir si ce qui a été fait est bien ou pas bien. Alors là, je crois que chacun d'entre nous est capable... Je comprends rien au principe de LOL, j'en parlerai après. Je crois que chacun d'entre nous est capable de savoir pour qui on vote et pourquoi on vote. Voilà, je trouve que cette approche qui consiste au travers de réseaux sociaux de critiquer les choix de certains avec une certaine véhémence, je trouve ça vraiment dommageable. Donc, comment fonctionne LOL avant d'aller plus loin? Donc, au niveau de LOL, on joue un personnage, donc il y a
un personnage en haut que vous pouvez voir donc sur la là où je mets ma souris, un personnage au milieu. Hop. Attendez, je pense qu'on peut essayer de tuer. Voilà. Donc deux personnages en bas, là où je mets ma souris, et enfin un personnage qui se promène et qui on appelle le jungle, dont l'objectif est de tuer tous les petits monstres qui sont sur l'ensemble de la carte et éventuellement de venir accompagner les mouvements pour pouvoir faire des kills. Donc maintenant revenons sur l'actualité de la chaîne Twitch. Et là-dessus, je pense que l'actualité va vous intéresser de façon très importante. Le prochain stream que potentiellement je pourrais faire, j'ai pas encore validé avec l'ensemble des intervenants, mais pour l'instant, toutes les personnes que j'ai rencontrées ont répondu par la favorable. C'est un stream dès ce vendredi. Concernant une PPL donc qui s'appelle Démocratiser le sport en France. Donc qu'est-ce qu'une PPL? Une PPL, c'est une proposition de loi, à ne pas confondre avec un projet de loi. Alors, la proposition de loi, c'est une loi qui est proposée et qui est construite par soit un député, soit un sénateur. Alors que le projet de loi est une loi qui est proposé par le gouvernement. Donc là, c'est bien un texte de loi qui est proposé par les députés, et de façon plus précise, les députés de la majorité. Ce projet de loi, cette proposition de loi, excusez-moi, c'est dur de faire deux choses en même temps. Cette proposition de loi, elle aborde la démocratisation du sport en France. Et donc, dans ce cadre-là, les trois députés qui travaillent sur le sujet ont souhaité voir les liens qu'il pouvait y avoir entre le sport et le jeu vidéo pour créer des passerelles. Et donc, pour réfléchir à ces liens, il y a trois personnes, trois entités qui sont auditionnées. La première entité, c'est le SEL, le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, qui reprend donc, qui représente les entreprises qui développent des jeux vidéo et qui vendent donc des jeux vidéo. Le deuxième, c'est France eSport. France eSport, c'est une association qui fait référence pour l'eSport en France. Voilà. Et la dernière personne, comment il a fait pour pas se faire avoir, lui ? La dernière personne qui se fait auditionner, c'est moi-même, donc on sera trois, en plus des collègues députés. Donc j'ai déjà posé la question, vraisemblablement tout le monde est d'accord pour pouvoir diffuser cette vidéo sur Twitch. Il me reste juste l'accord de deux personnes, voilà, mais globalement, je ne dirais pas que 100% c'est oui, mais il y a de très fortes chances que ça puisse se faire. Donc voilà, c'est vendredi dans deux jours, à partir de 14h. Et bien entendu, on communiquera là-dessus demain sur les réseaux sociaux et vous aurez donc l'ensemble des renseignements. Alors attention, hein, c'est une audition, c'est-à-dire que ce sera uniquement le flux vidéo de l'audition qui sera envoyé et en aucun cas il y aura une interaction avec le chat. Voilà, c'est pour vous permettre à vous, si vous le souhaitez, de pouvoir voir cette audition, de pouvoir entendre les arguments de chacun. Ah, donc je rappelle, vendredi 14h, proposition de loi démocratiser le sport en France. Voilà, sur ma chaîne Twitch à partir de 14h, sous réserve, et je répète bien, sous réserve de validation des personnes qui pourraient, qui seront présentes. Je regarde un peu ce que je vais prendre, je vais prendre celui-ci. Interruption. Ensuite. Je ne sais pas si vous avez des questions là par rapport à ces premiers propos. Voilà, je rappelle donc proposition de loi sur le sport. On va aborder le sujet ce vendredi. Prochain événement
Twitch, et là je suis sûr que ça va intéresser énormément de personnes, c'est mardi de la semaine prochaine. Ça fait mardi quoi ça? Je vais regarder vite fait sur mon téléphone. Je connais pas les jours par cœur. Mardi 2 mars. On va avoir donc un échange avec un collègue député qui s'appelle Jean-Baptiste Moreau, qui est donc un député de la ruralité, tout comme moi, qui a travaillé sur une mission d'information liée au cannabis. Exactement, donc il a beaucoup travaillé sur ce sujet-là. Et donc il va venir aborder avec nous, hop ça c'est fait, les travaux qu'il a menés. Et donc les travaux qu'il a menés sont autour de trois types d'usages sur le cannabis. Alors déjà pour rappeler, donc peut-être que beaucoup d'entre vous le savent, mais voilà, je vais te rappeler, le cannabis est réalisé à partir d'une plante qui s'appelle le chanvre. Il faut savoir que le chanvre, la filière agricole, la France aujourd'hui est le leader européen. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'entreprises qui produisent du chanvre, non pas pour le cannabis, mais tout simplement pour la filière agricole. Avec ça, on peut faire de nombreux produits. Et il faut d'ailleurs savoir de façon précise que cette filière agricole est aujourd'hui soumise à une concurrence. Mais je vais aborder, si vous souhaitez, Drago Modo, je vais répondre justement sur mon idée, tiens, mais je voudrais finir mon présentation. Donc, la filière agricole aujourd'hui européenne du chanvre, enfin le chanvre, la filière française du chanvre est la leader en Europe. Et qui elle est aujourd'hui soumise à une très nombreuse concurrence, à une concurrence sans cesse croissante. En Europe, et que donc il est nécessaire de pouvoir l'accompagner pour qu'elle puisse rester leader et fortement pourvoyeuse d'emploi. Donc trois types de cannabis, ou du moins mon collègue Jean-Baptiste Moreau a abordé trois types de cannabis. Moi je vais peut-être d'abord répondre à Dragomoto. Donc quelle est ma vision sur le cannabis? Ouais, faut que je clique sur la pièce. Je voulais faire ça tout à l'heure, mais j'étais un peu en galère. Ma vision sur le cannabis. Ben, déjà, au risque d'en devoir certains, moi, je n'ai jamais consommé de cannabis dans ma vie. Par contre, et je crois comme beaucoup d'entre vous, j'ai été, lorsque j'étais étudiant, confronté à de très nombreuses propositions pour consommer du cannabis, vous savez ce que c'est, dans les soirées étudiantes et autres. Et j'ai toujours refusé. J'ai toujours refusé parce que j'étais assez inquiet sur le fait que je puisse avoir quelques difficultés par une consommation excessive, de tomber un peu dans un phénomène d'addiction. C'est-à-dire que je me sens sur ce sujet-là, potentiellement fragile, et c'est-à-dire j'ai peur de devenir addict, voilà, donc j'ai fait le choix de pas prendre ce risque-là, et c'est un choix personnel. Néanmoins, j'ai pas compté le nombre de fois où on m'a proposé du cannabis en tant qu'étudiant, mais c'est largement plus que 10. Et je me suis rendu compte, à ce moment-là, que c'était quand même un produit qui était extrêmement présent dans la vie des jeunes. Et j'ai aussi de nombreux amis de l'époque qui sont maintenant devenus ingénieurs, puisque j'ai une formation d'ingénieur, qui ont consommé du cannabis, et ça les a pas empêchés de devenir ingénieurs et aujourd'hui d'atteindre un métier. Donc voilà, moi je considère d'un point de vue personnel qu'il est nécessaire qu'on réfléchisse à la légalisation du cannabis. Est-ce que vous savez si Monsieur Macron fume les meilleurs joints? Moi, je suis pas du tout persuadé que Emmanuel Macron, et je pense pas du tout d'ailleurs, que Emmanuel Macron utilise ce genre
de produits. Mais bon, je laisserai répondre et je ne me permettrai pas de donner mon opinion. Et limite, c'est un troll, quoi. Donc voilà, moi, je ne suis pas opposé. Je souhaite qu'on travaille d'ailleurs à une légalisation aujourd'hui du cannabis. Parce que déjà, j'ai vu pas mal de personnes qui ont consommé du cannabis et qui ont réussi dans leur carrière professionnelle et dans leur vie. Et dans un second temps, parce que c'est un produit qui est aujourd'hui extrêmement présent sur le territoire national et qu'il me semble donc non pré donc, il me semble donc préférable de travailler à une vente de façon encadrée et un accompagnement des personnes qui pourraient avoir des difficultés au niveau de la consommation de cannabis. Voilà, donc. Quelle phase de l'âne jaune est dynamique, monsieur Massiglia? Enfin, là, je suis surtout en pleine galère. Enfin, c'est super difficile de parler et de jouer en même temps. Enfin, je suis un peu en galère, surtout quand on veut faire. Comment dire? Quand on veut faire des firsts. Enfin, taper les golds en faisant le last hit. Bonsoir, Vitality Miric. Donc voilà, pour revenir, donc moi je suis pour à ce qu'on travaille aujourd'hui sur une légalisation du cannabis afin qu'elle puisse répondre aux usages de notre société. Enfin, il faut arrêter de se cacher derrière l'interdiction du cannabis, puisqu'aujourd'hui il est omniprésent autour de nous. Faut pas, enfin, voilà, il faut juste pas se mentir. Ingénieur logiciel, je suis ingénieur. Quelle école d'ingénieur? Donc, pour revenir, le temps d'avoir la réponse. Pour revenir, oh, j'ai plus de mana. Au sujet, aux travaux de mon collègue Jean-Baptiste Moreau sur le cannabis, donc, il a abordé trois types d'usage de cannabis. Le premier, c'est le cannabis thérapeutique. Donc, le cannabis thérapeutique, je le dis pour ceux qui ne savent pas, mais je pense que pratiquement tout le monde le sait. C'est l'utilisation donc du cannabis lorsqu'on souffre de maladies qui. Qu'est-ce que je vais prendre d'ailleurs? Dis-moi. Allez, je vais prendre soit celui-là, soit celui-là. Allez, on va attaquer. On va prendre celui-ci. Donc le cannabis thérapeutique, c'est du cannabis qui sert justement à soulager la souffrance lorsqu'on est malade. Il faut savoir là-dessus qu'il y a une expérimentation qui est mise en œuvre depuis le 1er janvier 2020, qui va durer 2 ans, donc qui va finir le 31 décembre 2021, donc pour des conclusions en 2022, qui vise donc à avoir les effets et l'utilisation du cannabis à des fins thérapeutiques. La deuxième thématique sur laquelle a travaillé Jean-Baptiste Moreau, c'est le cannabis qu'on appelle bien-être. Donc, qu'est-ce que le cannabis bien-être? C'est le cannabis utilisé par exemple pour des produits de type tisane, compléments alimentaires, cosmétiques. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, en Europe, l'Europe autorise la libre circulation de ces produits, c'est-à-dire qu'on peut en trouver partout sur le territoire européen, et en même temps, la France interdit la production sur le territoire national. Voilà, donc là-dessus, il y a un vrai sujet, et on pourrait se dire, ça serait pas mal aujourd'hui d'avoir ce type de production sur le territoire national, parce que dans un premier temps, ouais, voilà, on a gagné super. Dans un premier temps, ça permettrait à nos agriculteurs d'avoir des revenus, et dans un second temps, ça permettrait les gâteaux également. Peut-être, mais pas non plus avec. Ah, recherche un serveur, je vais revenir sur. Ici, ça sera mieux. Je sais pas vous dire là, Vitaly. C'est une bonne question à poser, et je me la note d'ailleurs. C'est une bonne question à poser pour Jean-Baptiste Moreau la semaine prochaine. Donc, je rappelle, la semaine prochaine, mardi de 19h30 à 21h. Donc, gâteau, cannabis, bien-être. Point d'interrogation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut éventuellement venir faire un petit
Une petite game avec moi ou personne n'est motivé? Avant que je relance. Hop, et je reviens en arrière. Donc je disais, l'Europe autorise la libre circulation des produits de type cannabis bien-être, mais par contre, on ne peut pas le produire sur le territoire national. Et ça, c'est dommage. Mais il faut me donner votre lien. Votre nom pour que je puisse vous ajouter parmi mes amis. Sinon, je vous donne le mien, mais je suis même pas sûr. Je sais même pas comment ça marche, ce truc-là, en fait. J'ai jamais invité mon truc. Ni taka app. Ah non, c'est bon, c'est envoyé. Allez. S'il y a d'autres personnes avant que je retague. Et après j'avance, mais laissez-moi le temps, s'il vous plaît, d'inviter Sergueï. Le joueur KBG Sergueï n'existe pas en même temps. J'ai fait une belle erreur. Alors, KBG Sergueï. Il y a un truc qui marche pas. En même temps, ouais, c'est ça. Ça doit être bon normalement. Ça doit être bon. Et enfin, Cult of Fire. Et on va attendre le dernier. Et je vais aussi inviter. Comme ça sera fait. Excusez-moi, ça coupe dans la discussion. De devoir faire les invitations. Et ça doit être bon. On va lancer une game. Et puis peut-être que Marad nous rejoindra. Ah ben nous a rejoint, on est full. Ben c'est parti. Voilà, choisissez ce que vous voulez, moi je prendrai la dernière place. Donc, et enfin, voilà, le dernier sujet qui va être abordé. Salut Cringe. Le dernier sujet qui va être abordé avec notre ami, avec mon collègue Jean-Baptiste Moreau, bien entendu, c'est le cannabis récréatif. Donc, on parle bien entendu d'une part des feuilles et de l'autre part de la résine. Je crois savoir que lui est aussi pour une légalisation, avec bien sûr un encadrement. Attention, ça ne veut pas dire tout et n'importe quoi, voilà, mais avec une légalisation qui permet de pouvoir accompagner, contrôler la consommation sur le territoire national, mais aussi marquez bien ce que vous voulez jouer hein, comme place. Ok, support. Allez, moi je fais jungle. Voilà, qui permet aussi d'accompagner les personnes qui ont une consommation excessive. Voilà, je crois qu'on a un vrai sujet là-dessus, qui est l'accompagnement de pratiques excessives et donc la mise en place de tous les outils médicaux qui permettent à aider des gens qui souffrent de leur consommation de cannabis. Voilà. Ensuite, là, je parlais donc du mardi 2 février.
Que pensent les autres partis politiques sur la question de la légalisation récréative du cannabis? Je connais pas réellement en fait les positions précises de chaque parti politique, et en fait je crois même que c'est un sujet qui ne sera pas forcément lié. Ah mince, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est être l'équipe en face. Je pense même que c'est un sujet qui n'est pas lié à la couleur politique. On peut quand même penser qu'à droite, ils seront plus opposés qu'à gauche. Néanmoins, il n'est pas exempt que des gens à droite votent pour et que des gens à gauche votent contre, si demain on était amené à légiférer sur le sujet. Et je crois même qu'au sein de La République En Marche, il y aurait un débat sur le sujet. Alors là, je crois qu'au sein de la majorité, La République En Marche, le MoDem et Agir, il y aurait potentiellement des personnes qui seraient pour et d'autres qui seraient contre. Je remonte parce que j'ai peut-être raté des questions. Ne pensez-vous pas que la légalisation va favoriser l'usage des drogues dites dures? Du moins favoriser sa consommation? Ben, c'est une très bonne question et il faudra qu'on aborde le sujet la semaine prochaine. Moi, je pense que en fait, aujourd'hui, le cannabis est déjà extrêmement présent dans notre société et que toute personne est confrontée au cannabis. Et que donc, qu'il soit légalisé ou pas, je suis pas sûr que ça change grand-chose. Et comme je l'ai dit, en plus, aujourd'hui, la France est le pays qui consomme le plus de cannabis en Europe alors qu'il est légalisé dans certains pays. Donc je crois qu'en fait, le vrai débat n'est plus de savoir s'il faut légaliser ou pas le cannabis, puisque finalement il est assez présent. Il est plutôt de dire comment on peut accompagner les personnes qui consomment trop de cannabis et sur lesquelles leur consommation de cannabis est néfaste dans leur vie au quotidien. Alors une fois que je dis ça, je sais que je vais avoir pas mal de gens qui vont me taper dessus, mais voilà ma vision personnelle sur le sujet. Et d'un point de vue politique, que pensez-vous de la passe d'armes entre le VP, donc le vice-président de l'Assemblée nationale, Hugues Rançon, et Monsieur Moreau et Madame la ministre Pompili? Hop, je vais repasser en live. Normalement, il y a marqué recherche, donc je vais capturer. Ça va pas tarder à arriver. Voilà. Ben, en vrai, moi, je suis assez embêté par cette passe d'armes-là. Les débats, ils doivent pas se faire sur les réseaux sociaux. Les débats, ils doivent se faire dans l'hémicycle, à l'Assemblée nationale. Chacun doit aborder ses sujets, sa vision, et expliquer sur les réseaux sociaux ce qu'on pense dans le but d'essayer de créer une discussion. Et voire même de promouvoir des tensions, parce que c'est certainement ça, ça me semble pas être positif. On est déjà dans une société sous tension de façon très importante. J'ai abordé tout à l'heure le sujet par rapport à ce que j'ai pu lire en réaction à la vidéo de McFly et Carlito. Voilà, je vois toute cette, pas toute, c'est qu'une minorité, mais elle est assez bruyante. C'est toutes ces personnes qui viennent de façon assez véhémente donner leur opinion. Ils ont le droit d'avoir une opinion et là n'est pas le sujet. Et d'ailleurs, c'est très bien que chacun ait une opinion. Néanmoins, on peut le faire avec douceur, tact et en respectant les opinions des autres. Parfois, dans notre société, on pense être le porteur de la seule et unique bonne parole. Et je crois que les choses sont bien plus compliquées que ça. Je crois qu'il est nécessaire d'écouter chacun et d'essayer de trouver un point d'équilibre. Voilà, et moi, je peux regretter que dans notre société, la notion de point d'équilibre, elle n'existe plus forcément, quoi. On est vraiment une société sous tension, ouh là là là, où on réagit plus sur l'émotion que sur la raison. Voilà, moi, j'aimerais bien qu'on mette un peu de raison, qu'on prenne le temps de s'écouter, qu'on prenne le temps d'argumenter, et qu'on accepte après la construction du consensus. La démocratie, c'est le consensus. Ne serait-ce que déjà la construction du choix des personnes qui nous gouvernent, ça c'est par le vote. Donc c'est-à-dire que à la fin, c'est une majorité qui décide de donner la responsabilité à un président de la République de construire un gouvernement pour porter le projet. Voilà, pas tout le monde a voté pour le président Macron. Néanmoins, voilà, il y a eu
un vote, il y a eu la création d'un débat, quelque part, qui a été sanctionné, pour utiliser le terme, par des électeurs, et qui ont pris une décision. Donc c'est pareil, l'hémicycle, c'est là où se fait le débat, et à la fin, on vote, et c'est le vote qui dit si ce qu'on fait. Voilà, surtout qu'une. Alors, je descends, surtout qu'une légalisation cadrée va faire baisser le trafic, parce que de la consommation, la criminalité autour est également néfaste. Exactement. Aujourd'hui, il y a des quartiers dans lesquels il y a des consommations de cannabis, et dans lesquels il y a des entités, des personnes qui se font la guerre, au sens propre d'ailleurs, pour pouvoir avoir les parts de marché. Et moi, je préférais. Que dans ces quartiers, on met justement des structures de vente de cannabis encadrées avec l'ensemble des outils qui permettent aux gens déjà de déclarer ce qu'ils font et donc d'avoir une rémunération et de payer leurs impôts et demain d'avoir droit au chômage potentiellement et à une retraite plutôt que de laisser ce no man's land qui existe. Faut pas se mentir. Et d'ailleurs, une fois que je dis ça, moi je souhaite vraiment appuyer sur la qualité que font nos forces de l'ordre. Que font les policiers, que font les gendarmes pour lutter contre des trafics et je reste persuadé que même eux, aujourd'hui, seraient plus tranquilles à ne pas avoir géré ce sujet-là et à aller plutôt se battre sur des entités qui vendent de la drogue dure. Voilà, est-ce que vous pouvez me confirmer, et en plus je me suis fait kill à cause de ça, est-ce que vous pouvez me confirmer que je suis de retour sur le stream? Donc on me glisse dans l'oreillette que c'est bon. Ouais, désolé, une déconnexion, une coupure, même sur le jeu j'ai été coupé. Voilà, problème de réseau, les problèmes de la ruralité. Oui, donc je disais, je sais pas si ça coupait avant ou pas, moi je crois vraiment que nos forces de l'ordre, ils souhaitent que s'occuper plutôt des trafics de drogue dure. Alors je dis pas qu'il faut pas accompagner, il faut pas se battre contre la drogue douce, parce que déjà le mot douce déjà peut nous interpeller, mais... Voilà, je vois, personnellement, j'en ai conscience que cela me fait du mal, mais cela me permet de me soulager et ça évite le burn-out. Mais là, je crois, en vrai, je ne suis pas médecin et seuls les médecins pourraient avancer là-dessus. Mais je crois qu'il y a un vrai sujet. C'est-à-dire comment vous pouvez, vous, demain, vous faire accompagner pour réduire votre consommation de cannabis et être plus heureux. Voilà, donc encore une fois, moi je suis pas médecin, hein, je suis ingénieur de formation, mais je crois que là-dessus, ça mériterait à ce que vous vous rapprochiez de personnes qui soient compétentes. Il y a des effets néfastes à tout. À ce moment-là, on peut dire que l'alcool et même le jeu vidéo ont des effets néfastes. C'est la dose et le moment qui font que. Tout excès est néfaste. Je partage votre avis, tout excès est néfaste. Néanmoins, on peut se dire qu'il y a des produits qui sont plus néfastes pour la santé que d'autres. Voilà. Entre boire un peu d'alcool chaque jour et prendre un peu d'héroïne ou de cocaïne chaque jour, enfin, moi je suis désolé, je mets pas ça au même niveau. Voilà, il faut pas non plus... vouloir faire une généralisation des produits, voilà, il y a des produits qui sont plus dangereux que d'autres et sur lesquels, à mon avis, on doit se battre. Les produits les plus dangereux aujourd'hui sont interdits, on doit continuer à se battre pour casser les filières d'approvisionnement sur nos territoires et puis accompagner surtout les consommateurs, parce que quelqu'un qui prend aujourd'hui des drogues dures, c'est quelqu'un qui souffre et on doit l'aider, on doit l'accompagner pour sortir de sa prise de stupéfiants. Je prends jamais de potion en tant que Warwick parce que l'avantage c'est que je peux me soigner. Alors peut-être que je pourrais en prendre, mais je suis pas assez bon. Peut-être peut-on extrapoler la citation d'Hubert Védrine lorsqu'il fut sollicité sur la question du protectionnisme sur le sujet du cannabis, remède ou poison, tout est dans la dose. Voilà, encore une fois, je dis ça et j'ai pas suffisamment travaillé sur le sujet. J'ai donné mon opinion.
Et je vois qu'il y a beaucoup de questions et je peux que vous encourager à venir mardi prochain parce que là, on va rentrer, si je puis me permettre, dans le vif du sujet. Vous allez pouvoir poser des questions sur l'agenda, sur qu'est-ce que lui compte faire, quels sont les soutiens qu'il a, etc., etc. Je crois qu'on a un vrai, 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 vrai débat extrêmement intéressant. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est qu'en ce moment, on a un super texte de loi qui arrive dans l'hémicycle. Je vais vous le montrer en même temps que je joue, c'est pas très bien, je vais finir par mourir. Attendez, hop, je fais mon petit A. Celui-ci, je ne sais pas si vous le voyez. Lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Voilà, en fait, c'est le texte de loi qui est la résultante de la Convention citoyenne pour le climat. Donc, comme vous le savez, il y a eu 150 concitoyens qui ont fait 149 propositions, dont 146 ont été encouragés par... Je suis tout seul là? Ah oui, je suis tout seul, je suis vraiment pas malin, hein. Vraiment, j'ai rien gardé, je suis désolé les gars, je suis parti no brain. Donc, je disais la Convention citoyenne pour le climat, donc 146 propositions qui sont étudiées. Alors, il faut savoir que les 146 propositions, et là je vais être très technique, ne peuvent pas toutes être des propositions, ou du moins validées par un texte de loi. C'est-à-dire que le texte de loi, il définit des lois, en fait, exactement, dans lesquelles il n'y a pas réellement de notion de budget. C'est-à-dire que certaines propositions de la Convention citoyenne nécessitent des évolutions au niveau du budget. Et là, ça se passe donc à l'automne, dans ce qu'on appelle le PLF, le projet de loi de finances. Et il y a déjà plusieurs propositions de la Convention citoyenne pour le climat qui ont été intégrées au niveau du PLF passé et d'autres qui vont arriver dans le PLF, dans le projet de loi futur. Je suis vraiment à la rue, j'ai personne là, c'est terrible ça. Je suis désolé pour ceux qui aimeraient un coup de main. Et bravo à vous parce que vraiment vous gérez alors que moi je fais n'importe quoi. Il y a aussi, sur ce texte de loi, des propositions, ou du moins parmi la constituante, il y a des propositions qui ont déjà été tout ou en partie répondues par rapport à d'autres textes de loi qu'on a pu faire. Je peux penser à Egalim, donc qui est un texte de loi sur l'alimentation, ou Elan, qui est plutôt, je dirais, tourné vers tout ce qui est habitation, de façon très, 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 très rapide. Donc voilà. Hop, je m'enfuis. J'ai mis aucune ward, enfin c'est n'importe quoi. Donc voilà ce que je disais. Donc prochain texte de loi, ce qu'on appelle donc climat et résilience, hein, pour utiliser le terme qui est utilisé par mes collègues députés, qui est le plus connu. Pour répondre aux propositions de la Convention citoyenne pour le climat qui va arriver. Là-dessus, je pense. Il m'a ninja, lui. Là-dessus, je pense faire. Allez, on va le tuer. C'est pas très bien. Bravo. Bravo, Vegar. Là-dessus, je compte faire un à deux streams. Et je voulais voir avec vous. Je voulais voir avec vous quels sont les thématiques que vous voulez aborder sur ce sujet-là, et éventuellement quelles sont les personnes que vous souhaitez que je convie pour échanger avec vous sur ce grand texte pour le climat. Alors, pour rappeler d'abord les thématiques principales de ce texte de loi, elles sont au nombre de 5. 6. Quoi, 6, 5? Elles sont au nombre de 6. La première, c'est consommer. La seconde, c'est produire et travailler. Ensuite, de mémoire, c'est se déplacer,
se loger, ah, ça attaque quelque part, se nourrir, et enfin renforcer la protection judiciaire de l'environnement. Donc voici les six thématiques qui sont portées par ce texte de loi. Et je voulais voir avec vous, éventuellement, est-ce qu'on ne pourra pas aborder le texte de loi dans sa globalité? Il est bien trop dense, il y a bien trop de choses là-dessus. Cool les gars, cool. Vous savez, vous jouez avec moi, donc si vous voulez gagner, il ne faut pas jouer avec moi. Et là-dessus, donc, quelles sont les personnes que vous voulez convier pour aborder ce sujet? Et puis éventuellement, s'il y a des thématiques qui ne sont pas dans celles que j'ai dit, mais qui sont des thématiques écologiques et que vous souhaitez aborder. Voilà, je sais pas trop ce que vous voulez. Et dites-moi, là, je suis à votre entière disposition. Et par contre, étrangement, je remarque que quand je parlais du cannabis, il y avait beaucoup de questions et de remarques sur le chat. Maintenant que je parle d'écologie, il y en a un tout petit peu moins. Merde, je regardais le chat, excuse-moi, Vegard. Les deux, hein, là-dessus, moi, j'ai pas de règles à vous de faire des propositions. Alors, je garantis pas de répondre favorablement à tout ça, mais voilà, c'est important de vous écouter, de voir comment je peux construire quelque chose qui vous intéresse. Alors, le nucléaire, j'aborderai le sujet du nucléaire si vous le souhaitez. Je sais pas si Yann Arthus Bertrand sera très intéressé pour faire un stream, mais ça peut être une proposition qui pourrait être faite. Alors, je me gare avec mon personnage et je vais me le noter. Les pauvres, ils jouent à 4. Donc, nucléaire ou pas, quel est mon avis? Alors, moi, j'ai un avis qui est extrêmement scientifique sur le sujet. Aujourd'hui, la France est le pays occidental qui produit le moins de gaz à effet de serre, de CO2, par habitant. Je crois de mémoire qu'on est environ à 4 tonnes par habitant par an. Je parle de mémoire et vous m'excuserez, j'ai pas les chiffres devant les yeux. Voilà, mais je crois qu'on est à 4 000, 4 tonnes, voilà, 4 tonnes par habitant par an. Lorsqu'on regarde les chiffres de nos voisins germaniques, par exemple, eux ils sont à peu près à 8 tonnes, ils ont pratiquement deux fois plus que nous. Pourquoi? Faut pas se mentir. S'ils produisent plus de CO2 par habitant, c'est qu'ils ont des centrales à charbon, là où nous on a des centrales nucléaires. Allez, ça c'est fait. J'espère que vous avez vu mon beau move. Parce que là, franchement, c'était limite du niveau pro. Et donc. Moi, je suis pour le développement des énergies vertes, de ce qu'on appelle des ENR. Mais tant que l'ensemble des productions d'ENR, ouais, pas mal, hein, tant que les productions d'ENR ne seront pas suffisantes pour répondre à l'ensemble du besoin de France, ben, moi, je préfère des productions à base nucléaire que des productions à base d'énergie fossile. Voilà. Je crois qu'aujourd'hui on est confronté à un choix extrêmement binaire, c'est énergie fossile ou énergie nucléaire. Voilà, à choisir, moi je préfère l'énergie nucléaire. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, et je vais me faire avoir parce que j'ai plus de points de vie, une fois que j'ai dit ça, il faut aussi qu'on avance pour les productions d'ENR. D'ailleurs, une petite question là. Ou du moins une petite présentation. Aujourd'hui,
70% de l'énergie française, de l'énergie électrique française, est construite à partir du nucléaire. Voilà, et d'origine nucléaire. 10% au niveau d'énergie fossile et 20% donc au niveau de ce qu'on appelle les ENR, donc les énergies vertes. Et donc dans ces 20%, allez, rush, 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 rush. Allez, allez, allez! Voilà. Ah, bien joué! Dans ces 20%, 10 sont de l'hydroélectrique. 2% sont du solaire, je crois, de mémoire. De mémoire. Et 6% sont de l'éolien. On voit bien qu'aujourd'hui, ces énergies, il faut qu'on les développe. Mais qu'on est très, 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 très loin d'atteindre les objectifs et les chiffres. C'est 20% hein, le NR. Enfin, moi, je vous encourage à regarder. Et voilà, c'est les chiffres, je crois, de 2019. Donc, c'est pas vieux. Voilà, je marche de mémoire. Hein. J'espère que vous me flagellerez pas si je me trompe. De toute façon, globalement, on est sur ces niveaux-là. Et même si c'est 25%, on voit bien à quel point on est dépendant aujourd'hui du nucléaire. Voilà. Et ça reste des ordres d'idées. Voilà, il faut qu'on continue à développer les ENR. Mais il faut aussi préparer l'avenir parce que si on n'arrive pas à atteindre nos objectifs avec les ENR, il sera, je pense, aussi nécessaire qu'on garde du nucléaire et peut-être qu'on développe des centrales de nucléaire plus sécures et plus productives qu'elles le sont actuellement. Ouais, encore une fois, est-ce que je suis un grand fan du nucléaire? Non. Est-ce que c'est la meilleure réponse par rapport à la transition écologique qui est à notre disposition aujourd'hui? Je le pense. Et puis si on veut passer en voiture électrique, si on veut répondre à tous ces besoins, ben, je crois que là-dessus, voilà, y a des choses à faire et que le nucléaire peut répondre à ces besoins de consommation pour décarboner notre société. Hein. Je rappelle que l'objectif, c'est être neutre en carbone à l'échelle de 2050. Hein. 2050, c'est dans 30 ans, c'est demain. Allez, allez, on l'achève avant que je meure. Aïe, 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 je crois qu'on va perdre la game à cause de moi. Oui, il y a plein de technologies qui méritent à être travaillées, à être améliorées. Je partage alors complètement votre avis. En fait, je crois qu'il faut surtout ne pas avoir de dogmatisme. Il faut pas dire le nucléaire c'est le mal et demain je vais avoir que de l'énergie verte. Du moins des ENR. Moi, je suis pour le 100% énergie verte, mais tant qu'on n'aura pas trouvé la solution technologique pour que les ENR répondent à l'intégralité des besoins qui sont ceux de la France, voilà, ben, entre le nucléaire et tout ce qui est à base de charbon, de gaz ou autre, ben, voilà, moi je reste persuadé et je reste pour. Voilà, je reste pour cette solution-là. En sachant qu'en plus, il existe du gaz vert aujourd'hui. Ah, il y a du gaz vert. C'est ce qu'on appelle donc des usines de méthanisation. C'est-à-dire qu'on récupère au travers de déchets, principalement de fumier, du gaz, qui peut être d'ailleurs injecté sur le réseau de gaz une fois qu'il est travaillé. Donc une fois que j'ai dit ça. J'ai entendu donc Yann Arthus Bertrand, j'ai pas vu d'autres noms. Moi je voulais voir aussi si ça vous intéressait d'aborder peut-être la notion de pollution du numérique. Voilà, je crois que là-dessus il y a un vrai sujet dans notre société. Et est-ce que c'est un débat qui vous intéresse, à savoir l'impact du numérique dans notre société? Ah, et si vous êtes intéressé, je peux éventuellement monter un stream avec des spécialistes du sujet. Ouais.
Et là-dessus, pareil, hein, on va pas aborder le sujet maintenant, mais souvent on dit que oui, exactement, l'impact environnemental du numérique. C'est-à-dire en quoi l'utilisation du numérique a un impact sur, bah sur l'environnement. En sachant que d'ailleurs, contrairement à ce qu'on peut croire, le téléphone portable a un impact numérique plus faible à l'usage que le téléphone. Pourquoi je suis là, moi? Qu'est-ce que je fais ici tout seul? Enfin, je sais mieux. Le numérique, enfin le téléphone portable, a un impact numérique plus faible en son utilisation au quotidien que son achat. En fait, un téléphone portable, le hard, a un impact sur l'environnement plus important que la durée de vie du téléphone portable, l'utilisation au quotidien. Et donc, c'est d'ailleurs pour ça qu'il est important de garder le plus longtemps possible ces téléphones portables et éventuellement de leur donner une seconde vie. Voilà, mais je peux, si le sujet vous intéresse, construire des réflexions et travaux là-dessus. Alors on va perdre tout ça à cause de moi. Je suis vraiment désolé à mes mates qui vont vraiment être déçus. Avec Monsieur Bernard ici, avec Hugo. Il faut savoir qu'avec Hugo, on a déjà fait un stream ensemble. Alors il n'était pas organisé par moi, il n'était pas organisé par Hugo, mais il était organisé par Jean Massier. Jean Massier qui est donc un streamer qui aborde les sujets de la politique. Et donc dans le cadre du Z-Event, on avait fait un League of Legends justement. Qui s'est d'ailleurs très bien passé, et comme j'étais un peu plus concentré, j'avais été un peu meilleur. Voilà, faut que je file de là. Donc, mais pourquoi pas demain refaire un stream avec lui, et ça sera un peu plus politique, mais moi je souhaite pas sur le sujet vraiment rentrer dans la polémique, voilà. Moi, je suis pas quelqu'un qui aime la polémique pour la polémique. J'aime le débat. J'aime la confrontation d'idées. Et parfois, bah, y a plus de polémique que de débat. Et ça, je le regrette et je le souhaite pas, donc. Oui, pour un stream avec Hugo Banalicis ou toute autre personne, d'ailleurs, de partis politiques différents, mais avec une vraie volonté de débat et pas de dogmatisme. Donc, désolé à nos amis. Je vais me mettre ailleurs après. Je vais mettre plutôt en sup ou un truc comme ça pour éviter. Je reviens là-dessus pour éviter de faire de la dob. Je vais mettre en sup, c'est beaucoup plus facile et il y a moins de choses à gérer parce que là il y a trop de déplacements et j'arrive pas à faire tout ça. Mais bon, raid! Et puis peut-être qu'un jour on se croisera sur WoW, faut pas hésiter. Bah, ceux qui veulent, ils restent, et ceux qui en ont marre, ils arrêtent. Donc dernière game, et puis après je déconnecterai. Faut me dire sur quel serveur vous êtes, Marad. Et puis ben, bon appétit à Nitaka. Donc bonsoir, Yunmei 59, donc peut-être quelqu'un du Nord. Je disais donc. En duo, allez, on fait un duo. Un petit duo, un petit duo. Ah mince, je quitte le groupe, il faut m'inviter, il faut gérer. Ouais, mais moi je suis pas avec Elune et Varimatras. Et puis, malheureusement. Et puis je sais pas si vous êtes Horde ou Sweat Alliance. Moi je suis Horde, donc je peux jouer qu'avec les gens de la Horde.
Et je vais rejoindre. Attendez 2 secondes, tu mets un petit message. On va faire une petite game, une dernière. Ah, c'est quelqu'un de bien, Alexandre. Hein. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. C'est vraiment un député de très 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 grande qualité. Il y a 2 secondes, je suis un peu en galère. Ah, Alliance, si on peut se croiser, mais ça sera moi en face de vous en train de vous envoyer des bolts et de vous tuer en PVP. Exactement, à Warsong ou à Arati, peu importe, hein, avec grand, 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 grand plaisir. Avec grand, grand plaisir. Je discute avec Sergei là pour voir qu'est-ce qu'on va faire pour la dernière game. Voilà, donc peut-être oui faire un sujet autour du numérique, de l'impact environnemental autour du numérique. Un duo sans enquête, parfait. Parfait, exactement, ça me va très bien, un duo sans enquête. Ah, il y a aussi une autre personne qui m'invite, mais je peux pas. C'est dommage. Gabriel Attal, de toute façon. Est-ce qu'il m'a répondu d'ailleurs, Gabriel Attal? Elle m'a pas répondu, j'ai pas vu mon message encore. Alors, plusieurs questions, excusez-moi là, à force de gérer 18 000 trucs, je vais mettre sub déjà, comme ça sera beaucoup plus simple pour moi. Parce que c'était super chaud, super trop chaud de gérer là, j'étais un peu perdu. En vrai. Macron joue à LOL. Faut lui poser la question, mais je crois qu'il ne joue pas aux jeux vidéo là-dessus. Mais il est vraiment intéressé par les sujets. De toute façon, en vrai, peu le savent, mais Emmanuel Macron est quelqu'un d'extrêmement curieux, qui lit énormément la presse et qui s'intéresse à tous les sujets. C'est vraiment. J'ai eu l'occasion d'échanger avec lui à plusieurs reprises sur des sujets divers et variés, et en fait, il est intéressé par tous les sujets. C'est juste incroyable. Enfin, passionné de politique, je voudrais savoir si vous comptez faire un live sur la vie politique à l'Assemblée nationale et pourquoi pas discuter avec des collègues à vous ou votre équipe. Why not, hein? Que fait un député? Comment ça se passe? Etc. 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 J'y ai jamais pensé, voilà, je prends mon petit stylo et je me le note. Yann, Arthus, Bertrand et stream parler de la vie d'un député et des travaux des collabs. Donc les collabs,
Donc ce sont les collaborateurs, ce sont les personnes qui travaillent pour moi. Donc aujourd'hui j'ai 4 équivalents temps plein qui travaillent pour moi, 5 personnes qui font un travail formidable et en vrai on voit souvent le député, on croit que lui seul prend les décisions, lui seul construit ses projets, ses dossiers, tout ça, mais heureusement qu'il y a des collaborateurs et des collaboratrices pour nous accompagner, parce que seul, c'est juste impossible le volume de travail qu'il y a à faire. Quand est-ce que Gabriel Attal nous montre qu'il est OTP Yumi? Un de ces quatre, j'espère. Un de ces quatre, j'espère. Parce que, si je comprends, vous souhaitez à ce que je convie des secrétaires d'État ou des ministres. On est bien d'accord, c'est ça la question. Alors attendez, je vais switcher sur la game. Voilà. C'est parti. Donc si je comprends, vous souhaitez que j'invite des ministres sur mon stream. Eh ben c'est une idée qui est intéressante. Qui est même extrêmement intéressante, je dirais. Attendez, je regarde. Est-ce que je prends un Liandry, un Luden? Moi, il me faut un truc avec de la mana. C'est pas mal ça. Alors, pour revenir à votre question extrêmement intéressante, à savoir est-ce que je vais faire venir des ministres ou des secrétaires d'État dans mon stream? Eh bien, je vais vous l'annoncer maintenant. Je vais vous l'annoncer maintenant. J'ai donc une secrétaire d'État qui va venir le 29 mars. De 19h30 à 20h30. Et cette secrétaire d'État, c'est mon ancienne collègue députée et maintenant secrétaire d'État de Nantes. Alors je ne sais pas si ça vous parle d'ailleurs, je vais faire travailler un peu vos connaissances politiques. En vrai, je prends rarement des items sup, même quand je suis sup, moi j'aime bien faire des dégâts. J'aime bien faire des dégâts. Je trouve ça cool, même si, enfin, je suis pas du tout un petit lol. C'est, ouais, je joue vraiment pour m'amuser. Donc, la personne en question, c'est ma collègue Sarah El Haïry. Voilà, Sarah El Haïry, qui est donc secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement. Et je répète, elle sera donc présente sur le stream le 29 mars de 19h30 à 20h30. Donc je vous encourage. Ben, qu'est-ce qui se passe là? Ah mince, j'ai bloqué mon écran. Comment j'ai fait ça? Ah, je sais ce que j'ai fait. J'ai fait de la table. Je vous encourage à. Je fais quoi là? À réserver cette date-là pour qu'on puisse justement. Excusez-moi là, j'ai juste un peu bugué mon écran. Pour pouvoir échanger avec elle, poser vos questions. Exactement, c'est la maison commune, elle n'était pas de La République En Marche, et c'est une députée du groupe MoDem. Du moins, elle était, puisque maintenant elle est secrétaire d'État. Et donc, on abordera toute l'actualité concernant notre jeunesse. Et il est nécessaire de savoir qu'aujourd'hui, dans cette période de pandémie, c'est vraiment un moment qui est compliqué hein, pour l'ensemble des jeunes. Donc, voilà, y a vraiment des thématiques qu'on pourra aborder. Et préparez vos questions. Préparez vos questions parce qu'il y a plein de choses à voir. Petite question, concernant le modem, vous avez un avis sur la proportionnelle mise en place par le président Macron? Ben oui, j'ai un avis sur cette proportionnelle.
Et mon avis, il est que il faut mettre en place la proportionnelle. Mais je ne suis pas persuadé que ce soit le bon moment pour mettre en œuvre la proportionnelle. Et je m'explique. Et on va le tuer lui. Ah, j'aurais dû mettre plus tôt, c'est ma faute. Pourquoi? Parce qu'en fait, mettre en place la proportionnelle là tout de suite maintenant, c'est pas forcément ce qui était présenté par le président Macron lors de la présidentielle de 2017. C'est-à-dire que l'objectif, il était multiple. Il était certes de mettre en place la proportionnelle, mais il visait aussi, et ça c'est important, à réduire le nombre de députés, de passer de 577 députés à 404 députés pour leur donner plus de moyens pour mieux faire leur travail. Et une fois que j'ai dit ça, passer à la proportionnelle, c'est répondre que partiellement aux propositions qui avaient été construites pour lesquelles le président avait été élu. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'on n'a pas essayé de le faire? Et moi, je rappellerai que on a travaillé sur ce sujet-là. Il y a quelques temps de ça, c'était au sujet d'une affaire qui a pas mal fait parler d'elle et qui nous a pas permis d'arriver au bout. Voilà, on a été confronté à une obstruction parlementaire à ce moment-là qui est le jeu, hein, on va pas non plus critiquer ce fonctionnement-là. Et on n'a pas réussi à atteindre cet objectif-là. Et je crois que c'est un vrai sujet à aborder pour les prochaines échéances électorales. Et un vrai argument, c'est voir ce qu'on veut faire, avec une volonté, à mon avis, de le mettre en œuvre dès la fin de cette élection. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à vos interrogations là-dessus. Hop, file. J'ai mon écran qui est mal placé là. Je vais essayer de le placer mieux. Ouais, j'arrive pas à le bouger, ça m'embête un peu là. Donc voilà, pour rappeler maintenant le planning, on va revenir faire une petite synthèse du planning. Hop, j'ai filé un coup de main au jungle. Allez, achève-le. Voilà, bien joué. Et je retourne à la base. Donc, pour revenir au planning, mardi prochain, on va parler du cannabis avec mon collègue Jean-Baptiste Moreau. À suivre, on enchaînera avec des personnes potentiellement de la société civile, mais aussi avec des collègues députés, sur le projet de loi qui résulte de la Convention citoyenne pour le climat. Et le 29 mars, je recevrai ma collègue Sarah Elhary, mon ancienne collègue Sarah Elhary, maintenant secrétaire d'État en charge de la jeunesse et de l'engagement. Voilà, donc un programme chargé, un programme complet et de nombreux sujets d'actualité qui intéresse, je pense, beaucoup de personnes. Et hop, allez, lui, on va. Ah mince, il y a un copain. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, des thématiques ou autres que vous voulez aborder. Et j'espère qu'on va gagner cette game qui est quand même pas trop mal partie malgré tout. Même si rien n'est fait pour l'instant. Et eux, là, lui, je vais me faire. Est-ce qu'il va flash? Est-ce qu'il y a le flash? Allez, allez, dernière, dernière! Ah! Bon, j'ai pas été bon. Et puis, je vais essayer de couper, de mettre sur les réseaux sociaux le seul beau move que j'ai fait de la soirée là avec mon Warwick en tant que jungle. Comme ça, toutes les personnes qui n'auront pas vu auront pensé que j'étais super bon. Alors qu'en fait, j'ai fait qu'un seul bon move ce soir. Bien joué, ça! Bah tout à l'heure, on a abordé de façon extrêmement rapide
une question qui avait été posée. Alors attendez, je bouge pour pas me faire tuer pendant que je remonte sur le chat. Je voudrais savoir si vous comptez faire un live sur la vie politique à l'Assemblée nationale et pourquoi pas discuter avec des collègues à vous, votre équipe. Ben, si vous voulez, on a une petite dizaine de minutes et on peut éventuellement vous présenter, je peux vous présenter, vous expliquer comment fonctionne l'Assemblée nationale. Donc voilà, si vous avez des questions là-dessus, je suis à votre disposition. J'ai vraiment un truc là qui bug en plus, ça me casse les pieds. Faut vraiment essayer de résoudre. Fait, je joue en fenêtré et mon fenêtré, il sort de l'écran. Alors là, je sais pas comment j'ai fait ça. J'ai fait un gros boulot, un gros blé. Hop. Peu importe, allez, on va se débrouiller comme ça. Donc, comment se passe mon temps à l'Assemblée nationale? Tout simplement, je suis présent à Paris plusieurs jours par semaine lorsqu'on n'est pas en vacances parlementaires. J'ai expliqué tout à l'heure ce qu'était la vacance parlementaire, c'est-à-dire que c'est. C'est-à-dire le moment où l'hémicycle est fermé, mais malgré tout, on a du travail. Et d'ailleurs, dans mon planning, j'ai oublié de vous dire aussi, ce vendredi, sous réserve de l'acceptation de l'ensemble des personnes qui sont participantes, un stream qui diffuse. Oui, peut-être, mais en fait, j'utilise aucune application, et d'ailleurs de façon très spécifique, même sur WoW, j'utilise aucun add-on. Voilà, c'est un peu une façon de jouer. Enfin, un peu de challenge dans la vie. Donc, je disais, ce vendredi, si j'ai accord de l'ensemble des personnes participantes, un stream, ou du moins une diffusion sur Twitch, de l'audition avec plusieurs collègues députés de la commission des affaires culturelles et le sport sur comment créer des passerelles entre le sport et l'e-sport. Exactement, en fait, je joue sans add-on sur WoW parce que le jeu a vraiment bien évolué et qu'aujourd'hui ressent et redonne toutes les informations. Donc voilà là-dessus. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc l'avis d'un député. Ah, j'ai raté. Beaucoup de temps passé à Paris, voilà. Moi je passe énormément de temps à Paris, justement pour travailler sur les textes de loi. Il faut savoir que, contrairement à ce qu'on peut croire, un député, il passe pas forcément tout son temps au sein de l'hémicycle. Parce qu'un député fait partie d'une commission. Il y a 8 commissions à l'Assemblée nationale qui travaillent sur des thématiques qui sont différentes. Et pendant qu'il y a un débat dans l'hémicycle, il y a aussi des travaux en commission. Et bien souvent, on ne peut pas être et dans l'hémicycle et en commission. C'est juste potentiellement, physiquement, scientifiquement pas possible. Je n'ai malheureusement pas, et je le regrette, le don d'ubiquité. Donc, 8 commissions. Dans mon cadre, je fais partie de la commission des affaires étrangères. Ah, allez, on l'achève, oui. Allez les amis, allez aidez-moi. Allez! Voilà, c'est pas beau ça. Donc je fais partie de la commission des affaires étrangères et donc il y a 8 commissions au sein de l'Assemblée nationale. Je vais pas les dire toutes parce que je risque d'en oublier, mais voilà, pour les plus connus, il y a la commission finances, il y a la commission des lois. Il y a la commission des affaires sociales, ben je suis déjà 3, 4 avec affaires étrangères. Est-ce que j'ai une défense? Je sais plus. Il y a DDAT. Il y a, donc DDAT, c'est tout ce qui est lié à l'écologie. Il y a culture. Il y a économie. Et je ne sais pas si j'ai tout dit.
Ah, et je sais pas si j'ai tout dit. Ou si j'en ai oublié une. Je suis en train de lire un livre, tout ça pour ça, qui parle de cette nouvelle législature. Avez-vous pu le lire, monsieur le député? Non, je n'ai pas pu le lire. Dernièrement, j'ai lu un livre pour lequel je ne partage en fait pas grand-chose de ce qui est dit, mais je trouvais intéressant justement de confronter ma vision à des gens qui ne pensent pas du tout comme moi. C'est le livre d'Alice Coffin qui s'appelle Le génie lesbien, que j'ai fini il y a peu. Et en vrai, j'ai beaucoup souffert pour le finir. J'ai beaucoup souffert pour le finir. C'est un livre d'une violence rare. Et je regrette aujourd'hui que des personnes voient le féminisme comme un combat, comme une opposition aux hommes. Voilà, moi je ne vois pas les femmes comme des opposés ou des gens qu'il faut combattre. Je vois plutôt les femmes comme l'équivalent des hommes en fait. Nous sommes égaux, c'est d'ailleurs le premier article des droits de l'homme et des citoyens. Donc voilà, nous sommes égaux, voilà, les hommes naissent libres et égaux. Voilà, les femmes sont égaux aux hommes. Néanmoins, je suis d'accord qu'il y a beaucoup à faire pour avoir une vraie égalité, qu'il y a encore des endroits où malheureusement cette égalité n'est pas réelle et il faut qu'on y travaille. Mais voilà, moi je ne souhaite pas opposer, combattre. Voilà, on n'est pas dans une guerre. Voilà, je suis opposé à cette vision sociétale qui consiste justement à nous opposer. Voilà. Je suis opposé à l'opposition. Bonjour Monsieur Guilla, pensez-vous de la récente déclaration de la commissaire européenne polonaise vis-à-vis des finances européennes pour la culture? Eh ben, c'est une bonne question. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Parce que là-dessus, je n'ai pas la ref, comme on dit. Malheureusement, on ne peut pas savoir tout sur tout et je m'en excuse. Et je m'en excuse. Je suis en train de lire la nouvelle législature. Non, je n'ai pas, donc oui, comme je n'ai pas eu ce livre. Je vais l'acheter, mais voilà, mais j'ai une dizaine de livres encore à lire. C'est incroyable d'ailleurs le nombre de livres que je lis depuis que je suis député en fait. Non pas que je lisais pas avant, je lisais déjà pas mal, mais voilà, je crois que je lis à peu près. 2 à 3 livres par mois en ce moment, donc voilà, j'essaye de lire un maximum de choses pour me permettre d'avoir une vision globale. C'est important justement à mon sens de prendre le temps de réfléchir et de pas réagir sous le coup de l'émotion. J'ai du mal à utiliser le en vrai, c'est vrai que je pourrais plus le faire. Par rapport aux propos, donc comme j'ai dit, je n'ai pas la ref, donc il m'appartient pas de juger. Là, je vais mettre le E, forcément, je mens. Il m'appartient pas de juger en n'ayant pas l'ensemble des éléments, et donc je vais regarder une fois qu'on a fini le stream ce sujet-là, et d'ailleurs je me le note. Moi, je crois par contre beaucoup à la richesse de la culture. Je crois que dans une société parfois difficile, dans une société sous tension, dans une société où les guerres économiques sont extrêmement présentes et font beaucoup souffrir, la culture a une vraie place à jouer. Je crois que la culture rapproche les peuples. Et on a besoin aujourd'hui vraiment de construire ce lien entre les peuples. Et ça me semble extrêmement important. Oh, ils sont trop nombreux là, c'est une mauvaise idée de ma part d'y aller. Oh là 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 là, c'était pas malin du tout de ma part. Il faut retourner à une société chrétienne et traditionnelle? Ben non plus en fait. En fait non. Je crois qu'il faut surtout arriver à construire une société où chacun se respecte.
Qu'on soit homme, femme, donc qu'importe le genre, qu'importe la sexualité, qu'importe la religion. En fait, la France est certes un pays qui s'est construit principalement autour de la religion chrétienne, qui était la religion jusqu'à la fin du 19e siècle, début du 20e, omniprésent dans notre société, mais c'est aujourd'hui plus le cas, faut pas se mentir. Et je crois que ce qui doit nous tenir, c'est pas la religion, c'est la République. Voilà. C'est la République aujourd'hui qui doit nous tenir. Tout le reste, c'est que des sujets qui visent à nous séparer. Est-ce qu'aujourd'hui, être musulman fait de nous des moins bons républicains? Non. Est-ce qu'aujourd'hui, être chrétien fait de nous des moins bons citoyens de français? Non. Voilà, je crois qu'il faut pas. Enfin, moi, je suis pas pour cette opposition qui se fait de notre société trop souvent entre les races, entre les religions, entre le sexe, entre le genre, donc plutôt. Voilà, moi, j'y suis farouchement opposé. Et c'est le sens d'ailleurs de mon engagement politique. Mon engagement politique, il est pour se battre pour une société où chacun se respecte, où les extrêmes ne seront pas demain aux responsabilités, parce que je crois que même s'ils pointent de vrais problèmes de notre société, ils y apportent des mauvaises réponses. Voilà, moi, je crois en une société apaisée, où on arrête de critiquer son voisin, on arrête de regarder ce qui se passe chez son voisin, on s'occupe de notre vie et de ce qui nous plaît. Voilà, je crois que arrêtons de s'occuper de ce qui se passe à côté. Moi, qu'une femme aime une femme, ou qu'un homme aime une femme, d'ailleurs, en fait, c'est pas mon sujet. Les gens font ce qu'ils veulent, tant qu'ils sont heureux, qu'ils m'embêtent pas. Voilà, le reste, c'est que des histoires pour disputer, pour se et pour créer des tensions dans notre société qui a besoin d'autre chose. Est-ce que j'ai vu le documentaire Nos paysans hier sur France 2? Pas en intégralité. J'ai pas eu le temps de regarder en intégralité, mais moi, ce que j'ai vu, j'ai trouvé positif, puisque là, on a aujourd'hui des paysans qui souffrent. Des paysans qui souffrent. Parce que déjà, ils vivent très difficilement. Vraiment très difficilement de leur métier. Je joue quel rôle? Je suis support, mais en fait, je me promène de no brain, donc bien sûr, il faut que j'aille voir mes collègues. Donc, des paysans qui souffrent parce qu'ils ont une rémunération qui est trop faible et qui leur permet que difficilement de vivre. Et qui souffrent aussi, il faut pas se mentir, de. Je suis dans le caca, je suis mort. Et qui souffrent aussi de notre société, ou du moins d'une partie de notre société qui les stigmatise. Je crois qu'il faut le dire. Voilà, je crois qu'il faut le dire. Voilà, qui les stigmatise. Bien entendu, ce n'est pas la majorité des Français. Je crois que d'ailleurs que la majorité des Français soutiennent les agriculteurs, mais voilà. Il y a aujourd'hui des personnes qui vont à la rencontre de nos agriculteurs avec des propos que je qualifierais d'intolérables. Voilà, de les traiter de meurtriers. D'avoir ce type de remarques, voilà, c'est juste pas acceptable. Voilà, c'est. Bien entendu, il y a beaucoup à faire, et d'ailleurs, je crois que ce sont les premiers à vouloir construire cette transition écologique, mais c'est pas en les stigmatisant. C'est pas en faisant ce type de remarques que notre société demain elle sera plus apaisée. Voilà, on a besoin de nos agriculteurs. Puis on a besoin aussi de notre ruralité. Moi, j'encourage toutes les personnes qui connaissent peu la ruralité d'aller échanger avec les gens qui habitent, d'écouter leurs difficultés. Comme je l'ai dit, moi je viens de la ruralité, hein, je viens d'un tout petit village dans la montagne. La maternité la plus proche était à 1 heure. Et encore,
si on n'avait pas de problème, c'est-à-dire qu'il fallait traverser par deux fois la frontière pour aller à la maternité. Je devais d'abord rentrer en Italie, puis après re-rentrer en France, avec à l'époque le passage à la douane. Donc si on était arrêté à la douane, ben, éventuellement, ma mère aurait pu accoucher à la douane. Que quand il y avait un peu d'orage, ben, on se retrouvait sans téléphone et sans télévision pendant une semaine, deux semaines. Voilà, ce sont des endroits qui aujourd'hui ben, sont parfois compliqués et sur lesquels on se doit de continuer à travailler pour pouvoir permettre à chacun de nos concitoyens de pouvoir avoir l'ensemble des services et des accompagnements que propose la République. Alors, je ne suis pas tout seul le député de La République En Marche, hein, on est nombreux, mais oui, j'ai fait partie de La République En Marche. Je suis d'ailleurs même partie de La République En Marche depuis sa création. Voilà. Moi, j'ai jamais fait de politique avant. J'étais même de ceux qui critiquaient les politiques. C'est-à-dire que je trouvais que les politiques étaient éloignées de mes aspirations et de ma vision. Néanmoins, je votais et je m'intéressais à ce qui s'y passait. Ouais, ça, c'est une bonne idée d'acheter des boîtes d'ailleurs. Est-ce que j'ai des gold là? Oui. Voilà. Néanmoins, je m'intéressais à ce qui s'y passait, mais j'étais déçu. J'étais déçu par les propositions qui étaient faites. Allez, 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 viens, viens, viens. Venez m'attaquer là. Et donc, j'ai décidé de m'engager pour mettre la société civile et défendre ma vision. Voilà, j'ai une vision de la politique qui peut être discutée et discutable. Ça me pose aucun souci de débattre sur ma vision. Mais voilà, j'ai dit, à un moment donné, c'est bien de critiquer. Est-ce que c'est un move tout nul? Frérot. c'est bien de critiquer et beaucoup de gens critiquent, mais je crois que il faut arrêter de critiquer. En fait, il faut se relever les manches. Je crois qu'il faut aller rencontrer les gens, qu'il faut s'engager en politique. Ou d'ailleurs, pas qu'en politique, on peut s'engager aussi dans une association, on peut s'associer dans plein de choses. Elles sont où les boîtes ici? Excusez-moi, je cherche les bottes avant, je sais même pas où c'est qu'elles sont. Et depuis qu'ils ont réorganisé leur truc, là, je suis perdu. Sur le côté. Ah yes, c'est ici. Bien vu. Laquelle? 60 déplacements, 30% des attaques, 25 déplacements, pénétration machine. Tiens, c'est pas mal ça. Ah bah c'est celle que j'ai prise, j'ai pas fait de bêtises. Alors, comment on vient député? Et est-ce que ça prend beaucoup de temps? C'est deux questions que je vois. En fait, moi je n'avais pas. Lorsque je l'ai dit que je m'étais engagé en marche dès le début pour essayer de changer les choses. Et pour changer les choses, puisqu'on les change, j'avais pas du tout vu qu'il y avait les élections législatives juste derrière, et c'était pas le sens de mon engagement. Par contre, il m'a été proposé de le. Alors, je dirais pas forcément de le devenir. Hop, je vais mettre quelqu'un, mais de. Mince. Il m'a été proposé donc, de me lancer pour les élections, et j'ai eu la chance d'avoir été élu. Mais voilà, tout le monde peut devenir député, et moi j'ai eu cette chance de le devenir, et j'en suis très fier, et j'essaye donc de faire du mieux que je peux, et de répondre du mieux que je peux aux attentes de nos concitoyens, d'ailleurs qu'ils aient voté ou pas pour moi. Le sujet n'est pas de répondre aux attentes que des gens qui ont voté pour nous, mais aussi de répondre à toutes les attentes de notre société, et c'est compliqué.
Et c'est compliqué, faut pas se mentir. Ensuite, combien d'heures? Un député, il a pas d'horloge comme certains qui font 35 heures. Un député, il travaille de façon assez importante. Et ma femme vous répondrait que je travaille trop. Alors, en gros, une petite semaine de député, c'est quelque chose comme 70-80 heures. Et sinon, voilà, on est plutôt sur des bases de 100 heures par semaine. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui demande énormément, énormément de temps. Oh, j'ai encore raté beaucoup. Ah, lui, il est mal barré. Est-ce que je suis un disciple du en même temps? Je ne sais pas si je suis un disciple du en même temps. Néanmoins, la société, elle est beaucoup plus compliquée que ce qu'on pourrait le croire. Les gens qui disent le problème, c'est celui-ci, c'est simple, la réponse, c'est ça. En fait, la seule chose que je peux dire, c'est qu'ils se trompent. Parce que rien n'est noir, rien n'est gris, rien n'est blanc, tout est multicolore. Et pareil, j'entends des gens qui disent, ouais, vous les élus, vous faites plein de choses pour nous embêter. Mais est-ce que vous croyez franchement, franchement, que je me lève le matin en me disant, qu'est-ce que je peux faire pour aller embêter les Français et les Françaises? Mais est-ce que vous croyez que je peux avoir une seule fois dans ma vie ce genre de remarques et de réflexions? Eh non, moi je fais ce qui me semble être le mieux pour nos concitoyens. Ah oui, j'y crois, je pense qu'il faut aussi arrêter de troller en fait à un moment donné. Voilà, c'est pas comme ça que marchent les choses. Et êtes-vous confrère transhumaniste? Pas du tout. Pas du tout. Vous savez, moi je suis qu'un petit entre guillemets citoyen, comme tous les citoyens ruraux, qui croient à une société apaisée et qui se bat pour ça. Qui se bat pour qu'on échange, que notre société soit un vrai espace démocratique, que notre société puisse permettre à chacun de vivre heureux. Voilà. Et je crois qu'on doit aussi arrêter d'être toujours dans la critique systématique, dans l'opposition. Je me répète, mais bon. De toute façon, oui, je reviendrai à mon métier d'ingénieur. Est-ce que je reviendrai à mon métier d'ingénieur en 2022, à la fin de mon mandat, ou en 2027, je ne sais pas vous dire, mais une chose est sûre, c'est que moi, en 2027 ou plus tard, je rends le tablier. Place aux jeunes. Ah, on ne peut pas se battre. Oh, il fait trop mal, lui. On peut pas se battre pour changer le système, renverser la table, avoir des nouveaux profils qui arrivent et s'accrocher à sa place. À un moment donné, il faut aussi être assumer ses propos en fait. On peut pas avoir une vision politique à géométrie variable en fonction de ses intérêts. Voilà, donc là, j'ai peur que la game elle soit partie pour longtemps. Peut-être on va peut-être couper le stream avant la fin de la game, parce que je crois qu'on a abordé l'ensemble des sujets qui étaient ceux qui étaient prévus pour ce soir. Et puis n'hésitez pas à regarder les réseaux sociaux. J'ai pas de niveau sur League of Legends, hein. J'ai pas de j'ai dû faire peut-être un classé ou deux, donc et que j'ai gagné d'ailleurs, donc voilà, faut pas regarder le niveau. D'ailleurs, c'est plutôt un moment pour passer un beau temps, quoi. Croyez-vous à l'algorithme de Riot? Joker. Joker, Joker. Voilà, donc.
Il me tient à vous remercier, à vous rappeler qu'il y aura donc un stream normalement ce vendredi à partir de 14h. Regardez bien les réseaux sociaux. Qu'il y aura un stream mardi prochain de 19h30 à 21h sur le sujet du cannabis. Que le 29 mars, il y aura un stream avec la secrétaire d'État. Sarah Larry, qui serait l'État donc en charge de la jeunesse et de l'engagement, et qu'enfin il y aura aussi des streams au niveau du projet de loi qui fait suite à la Convention citoyenne pour le climat. Donc voilà, et puis ben, je vous dis à tous à vendredi, et je vous remercie d'avoir pris le temps de venir partager un moment. Feriez-vous participer les viewers lors de votre stream prochain? Ben, ils étaient invités, mes viewers. J'ai streamé avec eux ce soir. Voilà. Et je vais me rendre comme ça, c'est fait. Ben, merci à vous tous et je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée.